Shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. La peau de la restauration, Johnson Suleiman, sera au stade de l'amitié, au stade de Trècheville, en Côte d'Ivoire, le 8 et le 9 octobre. Et pour cela, je vous invite à vous préparer en conséquence. N'attendez pas. Ne dites pas que c'est en octobre. Préparez-vous maintenant. Quand on était au Togo, plusieurs personnes m'ont contacté en dernière minute. Ah, je veux que l'apôtre prie pour moi. Je veux que l'apôtre bénisse mon entreprise. Je veux que l'apôtre bénisse mon ministère. Je veux que l'apôtre bénisse ma famille. C'est maintenant qu'il faut vous annoncer. C'est maintenant qu'il faut vous inscrire. Et si vous ne le faites pas maintenant, je serai déjà en Côte d'Ivoire début septembre. Tout le mois de septembre, je serai en Côte d'Ivoire. Mais c'est mieux maintenant de dire, pour ce mouvement de l'apôtre Johnson Suleiman en Côte d'Ivoire, vous êtes en France, oui, je soutiens. Je fais ceci. Je prends l'engagement de ceci. Je soutiens avec ceci. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Planifiez-vous en conséquence. Et si vous êtes en France, en Belgique, vous êtes en Amérique, et vous voulez que l'apôtre Johnson Suleiman vous impose les mains, vous voulez vous déplacer pour venir en Côte d'Ivoire pour ces deux jours d'intimité et de bénédiction, inscrivez-vous maintenant. Annoncez-vous maintenant. Vous voulez soutenir l'œuvre, ne restez pas à la marge. Annoncez-vous maintenant. Vous voulez que la main supérieure du serviteur de l'Éternel vous touche pour que vos prières soient exaucées. Les prières qui sont gardées comme des nuages commencent par distiller de la rosée et de la pluie. C'est le moment. Vous pouvez vous déplacer. Prenez deux jours, venez en Afrique, venez en Côte d'Ivoire et vous allez recevoir l'impactation du Saint-Esprit. Vous serez outillé pour détruire les œuvres du diable. Les numéros sont là. Contactez-moi maintenant, écrivez-nous sur WhatsApp et vous verrez la gloire de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu de l'apôtre Johnson Suleiman, qui convainc les cœurs, vous convainc et vous montre ce que vous allez gagner en vous déplaçant, en vous connectant à la grâce de l'apôtre Johnson Suleiman. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, Jeremiah Naoum, le fils spirituel de l'apôtre Johnson Suleiman. Et je vous dis, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.